essayer d'aller là-bas et là-bas. Et salut à tous, bienvenue sur le site de Mont-Lambert. On a aujourd'hui un flux de nord, donc c'est le moment d'aller se promener en combe de Savoie. Donc je vais essayer d'explorer le bocal un petit peu plus que d'habitude, à savoir transiter en face ouest, l'autre côté. Alors j'arrive du coup assez tard au décollage, hein. Il est 14h30, déjà une bonne partie des pilotes sont partis, il n'y a plus grand monde donc ça facilite pour moi l'extraction, je trouve rapidement le premier thermique tout de suite en sortie de la combe. Bon bah 7 minutes pour s'extraire au Charvet, 1350, ça c'est rapide, première pompe. Plutôt bien. Je vais chercher sous le Charvet s'il y a quelque chose. J'essaye même en face sud-ouest de l'autre côté, mais il n'y a rien du tout. Et finalement, je trouve la sortie sur la face sud avec quelques petits thermiques pour arriver à une altitude de 1600 et quelques mètres. 610, je suis pas encore passé au plaf. Il y a pas mal de zones à l'ombre, vous voyez. On va essayer de trouver quelque chose d'intermédiaire vers le prochain col et puis après je ferai le plaf avant d'aller à l'Arcluse. Je commence le cheminement mais ça marche pas tellement évidemment. Je me fais même pousser par le nord, c'est pas très agréable, je suis un peu sous le vent donc je quitte la zone et je transite direction les tours. Bon là je dois être sous le vent quand même au niveau du col, je sens un peu le nord là qui me pousse sur le côté. Ouais, je suis sous le vent. Je suis juste avant les tours, j'essaie de reprendre un peu de hauteur. Les Tours, c'est un site sensible où il y a des faucons pèlerins, donc je m'applique pour garder le maximum de hauteur. Et voilà, je reprends un thermique correctement. Le thermique d'ailleurs se fait décaler dans l'autre sens, à ce niveau-là c'est plutôt le nord qui me décale, et direction l'Arcluse. 1670, je tape le nord là, j'ai plutôt l'impression maintenant. Alors je regarde un peu les zones qui sont passées à l'ombre, celles qui repassent au soleil, mais pas évident. Un truc qu'il faut faire pendant sa montée, ça. Je cherche ici la confluence entre la brise de vallée et le nord. C'est un peu turbulent, mais on y arrive petit à petit. En approche de l'Arcluse, là, je me fais bien pousser sur le côté droit. Elle est où la confluence? Elle est là. Oh, je me fais méchamment enterrer là. Ouah, allez. Soit je suis sous le vent d'un thermique, soit ça y est, je suis dans quelque chose là. Bonne ascendance dans la confluence. On va essayer d'enrouler ce machin. C'est pas super agréable. Hein. Il y a beaucoup de rafales. Ah ouais, ça c'est de la confluence bien vénère. Bien turbulente. Je sais pas si je vais rester longtemps dedans ça. Ça me décale complètement, ça m'enterre complètement. Alors on change de coin parce que là je me fais enterrer. Ah je crabe, c'est un truc de fou. Je me fais pousser sur la droite. Comme d'habitude, bien sous le vent. Wouhou! C'est sport ici. Alors paraît-il que des fois en se collant plus près du relief, on est moins sous le vent que 100 mètres devant. Je veux bien essayer, mais doucement. On voit bien le nord juste au-dessus hein, qui se déplace. Et arrivé sous l'Arcluse, ça y est, je suis à l'abri du vent. Et les thermiques deviennent un petit peu plus homogènes, un peu plus sympathiques. Celui-là, ça va, il est pas trop vilain. Il est moins désagréable que la confluence en tout cas. Si j'arrive à faire un bon plein, j'essaie de partir sur le Grand Arc directement. Voilà, 1750. Voilà, je prends une décision entre monter au plus haut et être sous le vent de la crête ou
remonter ou partir plus bas et avoir un peu moins de chances de raccrocher au grand arc. Le choix. Le problème, c'est le choix. On va faire un compromis. Quand ça commencera à trop secouer, bah, j'irai sur l'épaule, là, en face. Donc, les nuages par au-dessus, ça me rassure pas trop. Donc, je préfère partir 150 mètres sous la crête. Allez, je vais partir à 1764 pour pas risquer d'être sous le vent. Je suis pas très très loin de l'épaule. J'ai pas l'impression que ce soit si loin que ça. Donc, on va essayer de faire ça. Au moins, ce sera une zone que j'aurais pas explorée. Allez, c'est parti. Sans, il est tard, hein, il est déjà 15h37. Donc les facettes, ça commence à moins bien marcher. Oh, c'est magnifique en tout cas. Je vais être poussé pendant ma transition et direction les faces ouest. Allez, c'est l'inconnu pour moi. Le but, c'est de te raccrocher l'épaule du grand arc. Alors, ici, au niveau de cette grande vallée, là, c'est les faces est des Bauges. Et là, c'est le site de Chamou-sur-Gelon, le grand arc ici. Dans la grande vallée, on a une brise qui va direction Albertville. Et on a une partie de la brise qui forme un arc de cercle qui va dans la Maurienne et qui s'appuie fortement sur le grand arc ici. Donc ça provoque un bon flux thermodynamique le long de cette arête ici. Voilà, j'arrive aux alentours de 1000 mètres. J'exploite toutes les bulles que je trouve. Pas forcément super sympathique. J'ai senti une grosse ascendance là d'un coup là. Où est-ce qu'elle est? Allez, on y retourne. Il faut y aller dedans. Je vais remonter, il faut y aller. Ah, je sens des rafales. Oh putain. Ils sont pas très gentils, mais bon. J'ai eu raison de reprendre de l'énergie avant la raccroche parce que il y en a besoin là. Allez, raccrochage sur l'épaule du grand arc. Faut se battre maintenant pour rester dedans. C'est un peu turbulent, mais voilà, petit à petit, en cheminant, en attrapant toutes les bulles au passage de la crête, ben ça nous pousse dans la bonne direction, jusqu'à trouver un thermique un petit peu plus consistant, à 3 mètres par seconde. Là, ça me permet de bien sortir, voilà, quasiment à 1800 mètres. Et ensuite, en 2-3 temps, j'arrive au-dessus de la forêt. L'objectif, c'est de rentrer sur Chamou-sur-Gelon. Oh. Oh, peut-être faut que je replace au niveau de la crête un peu mieux. Un peu plus. Putain, la vache, j'ai l'impression de reculer quoi. 7 km/h, mais en arrière, je pense. Je pense que je vais me foutre au vent de la crête ici. Je recule quoi. Ah, c'est bizarre. Faut être sur les faces nord-ouest maintenant à cette heure-là. Je vais pas m'enfoncer dans la combe là. Je suis en exploration, hein. Je suis vraiment hors de ma zone habituelle de confort. Je connais pas ici et je suis tout seul. Donc on va bien rejoindre quelques voiles. Il n'y a plus qu'à cheminer sur la rue Nuage en direction de l'Ebaudia après. On replie les jambes, c'est turbulent. Il faut que le cible, ça serve à quelque chose. Eh ben, ça monte partout. Ok, la rue Nuage, ben, ça y est. Là, on peut dire que je suis extrait. Et je rejoins, on va dire, la zone des alpages, la zone plus minérale. Et là, je commence un petit peu à être sous les nuages. Qui commence un petit peu à porter, à tirer, donc c'est plutôt sympa. Et là, je suis plus tout seul maintenant. Il y a juste du nord, les nuages qui aspirent quand même pas mal. Et là, j'arrive à plus de 2000 mètres, voilà, tout juste. Magnifique névée, je suis sur le grand arc, youhou ! J'aperçois du coup des ailes, je reconnais un peu le matos. Et donc, je me dis, ben, j'ai bien envie de voler en groupe, je vais pas continuer tout seul direction les Ebaudia, je vais essayer de rentrer à Chamou, guidé par des pilotes plus expérimentés que moi. Ouais, je crois que j'ai retrouvé des compagnons de route. Mes deux Thomas sont là. Je pense que c'est eux, je suis presque sûr. Donc, je vais essayer de voler un peu avec eux. Bon, bah, ça se noircit un peu là. Je vais essayer de coller les copains quand même. Bon, d'ici, je pense à 2050, ça doit rentrer. Allez, allez.
Bah on est au nuage en tout cas, j'ai mon ticket de retour normalement pour Chamou. Ouh, j'arrive au nuage là, 2100 mètres, je touche le plafond. Passer entre les deux nuages, ce serait pas mal. Allez, on y va, entre les deux nuages, c'est parti. De toute façon, j'avance quand même pas mal, hein. Je suis à 40, donc je vois pas pourquoi j'accélère beaucoup. Peut-être pour passer entre les deux nuages, mais pour l'instant j'ai une très bonne ligne. Quelle ambiance, quelle ambiance! J'essaie de me faufiler entre deux nuages et de prendre... Bon bah classiquement une sorte de laisse de chien. Ce qu'on veut éviter c'est d'être dans le flux de la brise quand on est trop bas. Donc on essaie de tirer un petit peu à droite puis revenir. Donc je vais suivre la ligne de Thomas Popov en bleu. Je vais la suivre mais je vais un petit peu abandonner ma ligne et puis partir directement tout droit au bout d'un moment. Et à 1300 mètres je vais tomber dans la brise. Ma vitesse va chuter de 45 à 25 toujours en étant accéléré au premier barreau. Vince, lui, a choisi une ligne très extérieure, une grande laisse de chien, et il me recoiffe de 100 mètres. Mais malgré tout ça, on arrive tous les deux trop bas et on trouve pas vraiment la sortie pour raccrocher sur le site de Chamou. Je suis bas, hein, je suis à 800 mètres. Je suis pourtant bien parti à 2000, mais voilà, quand on tape dans la brise, alors là, ma finesse a été visitée par 3. Qu'est-ce qui me reste comme choix? Alors là, pas de doute, tu es dans le pétrin. Et je suis toujours à 21 km/h accéléré, finesse égale à 4, inférieure. Oh, je vais aller me poser à Chamou en sécurité, j'arrive pas à remonter. Et on va être obligé d'aller de se poser à l'atterrissage officiel. Alors que les trois autres pilotes ben, s'en sortent plutôt bien. Popov, avec sa laisse de chien, on va dire compromis, est bien remonté. Et puis Franck et Thomasé ben, ont pris une ligne beaucoup plus intérieure, au-dessus de la vallée. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre maintenant. Pourquoi ces choix de lignes différents? Toute chose commence par un choix. Non, faux. Le choix n'est rien qu'une illusion créée pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui n'ont pas. Tout d'abord, on analyse la ligne de Popov en bleu foncé. Donc, il prend une ascendance qui l'amène un peu plus haut que moi. Au meilleur de son altitude, il est à 2170, donc 100 mètres au-dessus de moi. Et ensuite, il va chercher légèrement plus en extérieur, alors que moi, je vais virer un peu plus tôt. Et voilà, tant qu'on est vent de dos, les finesses, elles se valent. Hein. On est plutôt pas mal au niveau du plané, mais il va passer beaucoup moins de temps dans la brise, et dès qu'on va taper la brise, bah lui va pousser full barreau, et avec son LEND, une Zeolite, il va bien mieux planer, bien mieux lutter face au vent, et il va passer que 2-3 minutes dans la brise, alors que moi j'ai passé 9 minutes environ. Donc là, ça, il y a un peu la catégorie de voile qui a joué, et puis bon, l'altitude de départ. Non, je ne peux pas faire ça. Ensuite, la ligne de Franck. Franck, il est parti un peu derrière. Il a eu des informations radio comme quoi la brise, elle était bien en place à 1350. Donc, il esquive un peu les nuages, un peu comme nous. Il se met un peu plus en arrière. Plaf à 2130. Et il vise directement un mini cumulus qu'il avait trouvé, qu'il avait repéré en milieu de vallée. Et il s'est dit, bon, ben, je suis trop en intérieur de la vallée pour lutter contre la brise, c'est sûr que je vais aller dans la brise si je prends la ligne extérieure. Donc il prend le choix sciemment d'aller tout droit et quitte à être sous le vent de la brise et du décollage ici. Et en comptant sur le fait qu'il y aurait des déclenchements thermiques sous le vent de la brise et que ça pourrait le faire ressortir dans des thermiques un petit peu péteux, mais de pouvoir ressortir. Et il y avait aussi la possibilité que le nord qu'on a dans le dos vienne un petit peu en appui sur ces crêtes-là et permette un petit peu de surfer et de contourner, d'aider à contourner la montagne pour arriver de l'autre côté. Donc voilà, il fait sa ligne assez directe, son petit cumulus en milieu de vallée, et puis ensuite, il longe les crêtes. Mais globalement, voilà, il est déjà bien avancé, il lutte pas longtemps contre la brise. Voilà, il surfe un tout petit peu ici, il perd moins d'altitude, et ensuite il sort là où il y a la crête, là où il y a la plupart des thermiques à Chamou sur Gelon. Donc assez malin le placement. Aujourd'hui, c'est les lignes intérieures qui avaient l'air de un peu mieux fonctionner quand même. Il y a qu'à voir la ligne de Thomasé qui lui, bon, est parti le plus haut. Hein. Il a aussi une LD, mais il est parti avec le plus de marge en hauteur. Donc la voie royale, il est parti avec plus de 2400 mètres. Poussé par le vent du nord, bah, il avance très très bien, hein, régulièrement à plus de
40, 45, voire 50. Et du coup, bah, il passe pas du tout dans la brise. Il survole complètement, il prend la ligne directe. Et il sait qu'avec une telle finesse, bah, il arrive largement au-dessus de du déco de Chamou. Donc, voie royale. Intéressant quand même, ces analyses de traces. Fin du petit périple, mais c'était sympa. J'ai appris quand même pas mal de trucs. Et à la raccroche au Grand Arc, c'était sympa. On fera mieux la prochaine fois. En conclusion, je retiens que pour soigner sa ligne, il faut avant tout prendre le maximum de hauteur possible. Mais je constate une chose ce jour-là, c'est que dans une même zone, il y avait deux hauteurs de nuages différents. Il y avait près des sommets, 250 mètres de plus à exploiter en thermique, ce qu'a très bien fait Thomasé. Je prends conscience que peu à peu, il faut exercer son œil à observer la trajectoire de transition pendant sa montée en thermique pour détecter voilà, une éventuelle formation de nuages qui peut indiquer une ligne plus porteuse. Se désagrège finalement le petit nuage, donc pas intéressant. Est-ce que du coup sous un nuage qui se désagrège on a forcément une dégueulante ou pas? Il existe souvent plusieurs solutions pour passer d'une montagne à une autre. Je pense qu'il faut choisir celle qui vous paraît la plus intelligente sur le moment et de préférence la plus sûre en fonction de votre expérience, comme l'a bien fait Franck dans sa fine analyse de la situation du moment. Peut-être un truc qu'on a mal fait. Ou qu'on a oublié de faire. Non, ce qui est fait et ça n'aurait pas pu se passer différemment. Comment le sais-tu? Nous en sommes sortis vivants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette modeste vidéo vous apportera réflexion sur vos prochains vols. Progresser en parapente, c'est comprendre les choix qu'on a faits pour gagner en expérience marche après marche. Allez, à bientôt les amis et soignez vos transitions. Bye bye.